Le squash, chez les crabés, c'est une affaire de famille. Le papa Alain a fait partie du top 10 belge et est aussi le coach de celle qui attire l'attention depuis son plus jeune âge, sa fille Chloé. La joueuse de squash n'a que 16 ans, mais est déjà championne de Belgique. Un parcours qui semblait presque tout tracé. Chloé, elle est née dans le club presque, donc voilà, elle venait tout bébé, donc elle a été habituée au son des balles et tout ça, donc elle a vite pris une raquette en main, tapé un petit peu la balle et puis j'ai vu qu'elle était assez douée. L'entraînement est essentiel pour ce sport physique où le cardio et l'explosivité ont un rôle important. La souplesse et le sens du déplacement sont des qualités nécessaires qui en font un sport très complet. Le parcours de Chloé ne s'est donc pas tracé tout seul. J'ai un coach physique qui est aussi ici au club. Je m'entraîne une fois par semaine avec lui pour travailler mon physique. Et sinon, c'est avec mon papa. Et quand on est sur le terrain et qu'on fait par exemple des exercices et physique aussi, on travaille aussi notre cardio. Le papa a donc également la casquette de coach, un rôle avec ses avantages, mais aussi des inconvénients. Je dirais qu'il y avait beaucoup d'avantages quand elle était plus jeune. Donc jusqu'à ses 12-13 ans, l'adolescence arrive, j'essaie d'être un petit peu en retrait à ce niveau-là. Par contre, elle adore toujours que je la coach. C'est vraiment cool d'avoir son papa parce qu'il est là tout le temps, il te conseille tout le temps. Mais d'un autre côté, ça peut être un peu lourd des fois parce que c'est tout le temps squash, squash et squash. Mais c'est positif. La plupart du temps, c'est vraiment positif et tu sens que quelqu'un est derrière toi. Avoir quelqu'un derrière soi, c'est important lorsque l'on dispute les championnats de Belgique à seulement 16 ans. Les matchs étaient difficiles et le soutien était donc utile pour mener la jeune bruxelloise vers le titre. Un titre conquis en famille. J'ai trouvé très forte mentalement alors que ça c'était un petit peu son gros défaut, surtout au Czech Open par exemple. Donc là, j'ai vu une progression aussi, donc ça c'est vraiment top. Et ça c'est grâce à tous les efforts que mon papa et moi on a fournis parce que c'est pas que ma victoire à moi, c'est la victoire de mon papa aussi parce que c'est lui qui m'a soutenu pendant toutes ces années aussi. C'est une fierté, hein, c'est très fier d'elle et surtout de son parcours pour l'instant. Donc voilà, là on essaie de continuer, on essaie de faire le mieux possible et peut-être qu'un jour elle sera sur le circuit mondial aussi. Justement, c'est une preuve que l'âge n'a aucune importance dans ce sport, que si tu travailles, tu auras toujours ce que tu attends. Ce que la famille Crabé attend de Chloé, c'est battre un jour les meilleures joueuses belges et de disputer des tournois sur le circuit mondial.